Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Gwen & Potion. Je vous retrouve ce soir pour une recette de savon à froid donc que j'ai intitulée Promenade Estivale. Je vais utiliser un moule rond avec un insert papillon et mon insert fleur qu'il faut que je nettoie. J'ai utilisé pour ma pâte saf du beurre de cacao, de karité, de mangue, de l'huile de copra, d'olive, de pépins de raisin et d'avocat. Et je suis sur un surgraissage à 7%. Je vais utiliser la fragrance fleur hawaïenne de la boutique Aromatizy ainsi que le colorant bleu ciel, bleu tropical pour obtenir un bleu ciel et du blanc. Donc là je suis prête, la seule chose qui me reste à faire donc c'est nettoyer ma petite insert fleur. Donc, lui couper son bout pas beau ouais. Et juste légèrement passer le couteau aux endroits où ça a un petit peu débordé, c'est aux endroits en fait du joint. Il y a toujours un petit peu de pâte qui passe. Il y a juste à passer délicatement le couteau et tout vient. Voilà. Hop. Donc, j'ai été faire chauffer un petit peu de melt and pour non coloré, non parfumé, qui est en train de se solidifier là. Il faut que je me dépêche. Et donc, je vais m'en servir pour remplir le fond du moule. Voilà. En essayant de ne pas en mettre sur les côtés. Oh ben ça fait beaucoup quand même. J'avais peur de ne pas avoir assez, mais là j'en ai peut-être mis trop. Donc on spray. Je récupère ma spatule, je lui mets un petit coup de chiffon et je vais juste en fait décoller la partie qui s'est collée sur la paroi. Parce que sinon, ça va abîmer le design qu'on va faire ensuite. Ça, je pousse. Voilà, donc on va attendre qu'il fige un petit peu. Et une fois qu'il aura figé, on pourra y insérer donc la fleur et le papillon. Donc moi, je les laisse toujours plus grands. Je trouve ça plus facile. Hop, ma fleur, mon papillon, et là on attend.